là-bas. Ouais, je suis pas maman. Tu es venu faire quoi ici? Babo avait oublié son téléphone café Kaya. Et tu es venu lui donner ça. Oh, tu es trop gentil, ma chérie. Merci. Bye-bye, ma fille. Viens, ma chérie. Viens, je te donne l'argent pour m'en venir avec elle. Viens, ma chérie. Ne tombe pas. Viens. Va. Merci. Merci, ma chérie. Merci, maman. Bye-bye. Gentil. Et regarde comment elle est. Mon col. Eh Dieu. Dieu s'y crée les gens. Qualité en qualité. Et il connaît comment donner aussi la force. Bravo! Maman! Si on t'appelle pas deux fois, tu ne peux pas accepter. Toi, c'est avec ta tête comme l'igname qui a refusé la terre là. Si je t'appelle, je ne crie pas. Tu ne peux pas accepter. Tu ne peux pas comprendre. Ouais, maman, j'étais au téléphone. J'étais au téléphone. Tu parles avec les deux au téléphone. Bon. J'ai eu ton oncle tout à l'heure là au téléphone. Ton oncle Yaoundé. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure là. Je lui ai parlé. En fait, comme il sait que tu as eu ton bac, tu vas à l'université. Voilà. Je lui ai dit que papa, pardon. Bravo va venir rester là-bas et fréquenter. Il a dit qu'il n'y a pas de souci. On se connaît. Tu arrives là-bas à Yaoundé. Tu respectes papa Mbouni et son épouse, maman Anne. Les travaux de la maison, tu le fais. D'accord, maman. Arrive à l'université. Évite les amis. À l'université, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Tu comprends ce que je dis? Oui, maman. Quand les cours finissent, tu prends la direction de la maison. Bravo, regarde-moi ta maman. Je souffre comme ça pour avoir l'argent. Pardon. Et t'en supplie, c'est mon papa. Tu as compris, non? Oui, maman. Alors, voici l'argent. Voilà 200 000 que je te donne. Merci, maman. Dans les 200 000, là, il y aura ta pension. C'est la première tranche. Mm-hmm. Il y aura ta pension. Tu vas acheter peut-être même une ou deux tennis. Mm-hmm. L'homme est comme ça. Il n'a pas besoin de beaucoup s'habiller. Tu achètes même un pantalon ou deux pantalons avec trois tricots en attendant que je cherche encore l'argent. D'accord, maman. Donne du l'eau. Ah, maman. Bon, maman, ça c'est l'argent pour les bonnes parce que je vais arriver à Yaoundé et me comporter comme un bon enfant. Et tous les séquences, je vais passer, maman. Donc, maman, tu vas passer. Mais oui. Je veux voir la bonne note. Parler avec la bouche, ce n'est pas ça. Non, maman, et toi, tu sais que même le premier, à part seulement le bébé, parce qu'il m'a un peu dérangé, il est passé sans problème. Tu tues papa. D'accord, maman. Oui ou non? Ah, maman, d'accord. Maman? Bon. Viens, va t'apprêter. D'accord. L'argent, c'est Dieu, souffre comme ça. Pardon, mon Dieu, aie pitié de moi. Que l'enfant réussit, qu'il ait même sa licence, son BTS. Je ne sais pas si j'aurai encore
beaucoup d'argent. Il continue, il est même son, on appelle ça encore quoi là? Master. Yoro ma master pang, ma master tiè. Ah nous colons. Comme ça, il travaille, mon enfant travaille. Il est dans une grande société. Il travaille. Quand je parle là-bas dans un bureau, on sent que oui, la mère de Bravo est arrivée. Chapeau-ci. Ouvre-lui les portes. Prends soin de lui, mon Seigneur. Guide-le. Les mauvais garçons, les mauvaises filles qui vont venir vers lui, épargne-lui de là. Pardon. Je souffre avant d'avoir l'argent. Amen. Si vous pensez ma panier, à vous mettre cramer. Oui. Tu vas te donner pour moi, maman. Non. Oui. Tu vas t'entendre le fa combien? Tu déranges, Domi. Toi-même, on va le fa combien? Oh, tu connais pas que l'œuf c'est 100 francs? Donne-moi un le fa. Ma cliente VIP. Je vais t'aider à casser ton œuf. Ne fais pas. Donne-moi le fumage. Ne te plains pas. Tu vas te donner, maman, aïe, maman, à Tommy, je veux que tu es content, je pense que comment comme tu n'y vas là. Tu as plus l'argent. Junior, j'étais déjà dit que je ne suis pas ton égal. Tu es ici pour vendre, pas pour connaître la vie des gens. Ça va, ne te fâche pas. Donne-moi mon œuf de piment. Tu mets le piment en demi. Oui. Tu as l'argent. Hey, Junior. Quand c'est moi maintenant. Tu mets l'œuf sur le papier. Domi, dans le papier, ça te fait quoi? Je ne veux pas le. Je mets aussi dans le lotus comme pour les autres. Domi, tu n'as pas encore l'argent. Tu peux saisir ça le jour que tu auras l'argent, ça sera comment? Hey, tiens. Prends ton oui. Domi, où est cet enfant? Donne la balle. Coco. Domi. Ah, mon frère. C'est tout parce qu'on ne peut pas vous taper là. Allez pas porter ma malchance sur toi. Je ne suis pas encore prêt à être papa. Je n'avais pas encore planifié d'être papa vraiment. Toi, je vais. Et que je ne veux pas être papa. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Quand moi je te demande de porter le préservatif, tu refuses. Tu me fais comprendre que oh, je veux ta chaleur. Hein? Et tu parles comme si je t'avais violée. Le problème n'est pas le niveau du préservatif. Toi et moi, dans notre début, on mettait le préservatif. À la longue, on veut toujours retrouver le préservatif. Dans tous les cas, c'est pas un problème. Tu comprends? Moi, je te dis que je ne veux pas être papa pour le moment. Bon. Je pense que voici un peu d'argent. Va voir un docteur. Fais tout. Mais pardon, je dis ça. Pardon. Si je pars maintenant retirer, je perds ma vie. Qu'est-ce que tu vas dire à mes parents? Tu perds ta vie comment? Est-ce qu'il y a une différence entre retirer ce qui est dans ton ventre et partir rester maintenant sur une table d'accouchement? Il n'y a pas de différence. Le risque, c'est la même chose. C'est ce que tu me dis. Regarde, chérie. J'ai des amis vraiment qui m'attendent. Mais tu as dit qu'il faudra que la prochaine fois, quand on va se voir, que tu me dises que non, chérie, c'est bon, que j'ai déjà retiré ça. Vraiment. Tout à l'heure. Hein? Après, non. Après. Mon Dieu. Je me suis fourrée dans quelle affaire? Tu me demandes de retirer mon bébé. Que les filles de l'église, même forcément très saines, déjà vierges. Je vous rappelle même qu'il y a les filles même qui ne vont même pas à l'église. Elles sont mille fois mieux qu'elles. Et ces filles-là, ces filles de l'église sont les vraies panthères. En passant, comment va Loïc? Loïc a déjà seulement un dossier ancien. Tu la gères bien, j'espère. Non. Tu as de la chance, hein? Loïc et moi, c'est fini. C'est fini depuis. C'est fini. C'est fini comment, maman? Bon, c'est vrai qu'elle et moi, on n'était pas en bon terme, mais puisqu'elle m'avait dit qu'elle est grosse, j'ai demandé qu'elle bouffe ça rapidement. Bon, c'est quoi? Tu as mal aux oreilles. J'ai dit que j'ai demandé qu'elle enlève ça rapidement. Attends, comment tu peux dire un truc pareil? Oui, mais puisque moi je n'étais pas prêt à être papa, du coup, moi je lui ai dit que c'est mieux que quatre personnes vraiment n'entendent pas ça. Et surtout que la matière n'est même pas au courant. Donc, du coup, comme depuis là, on boit là même, c'est avec même trop de problèmes là. Vraiment. Mon frère, Dieu, quand tu partais avec elle, il n'y a pas de préservatif, moi. Laissez les préservatifs, même avec le préservatif, ça peut arriver. Parfois, même ça peut même se percer. Donc, du coup, quand un truc doit arriver, c'est Dieu. Peut-être que l'enfant là, bon, je sais pas, mais moi, je le dis pour le moment, moi, papa. Les gars. Non. C'est vrai que nous sommes au bas, mais ils vont pas nous que c'est beau. Tu sais, je vais demander de faire quoi? Ah, comme tu as. D'avorter, mon frère. Non, pas avorter. Je vais demander qu'elle fasse tout, mais. Comment c'est pas moi là? Le gars, c'est bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de filles qui perdent leur vie en faisant des avortements ces jours? Non, frère. Arrêtons un peu. Est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de filles qui perdent leur vie? Tu n'es pas mon conseiller. La bien qu'on voit, c'est moi qui paye. Et même si c'est toi qui paye, donc tu nous as amené à eux ici pour qu'on te dise avec quoi? Non, pour qu'on ne se dise rien, qu'on boive la bien et puis qu'on parte. Tu es un frère pour moi. Hein? Écoute, je ne peux pas te laisser faire des bêtises, gars. Bon, imaginons qu'elle ne meure pas sur cet arbre. Si Dieu avait prouvé que c'est le seul enfant qu'elle va avoir dans sa vie. Elle meurt pourquoi? Attends, mais que vas-tu faire? Elle meurt pourquoi? Est-ce que l'avortement c'est un bon truc? Tu es un sorcier. Je lui ai dit que au lieu qu'elle et moi on passe un enfant, que je fuis après. Que après elle reste pas derrière pour souffrir. Je lui ai dit que vraiment, dès que je serai prêt, elle et moi on aura un enfant. Maman,
Pardon, donne-moi mon petit là parce que vraiment. Donne-le, donne-le, donne-le. On les boit. Là, ouais, oh, bien glacé, ce qu'il fait. Je peux pas voir mon frère, mais. Attends, même. Dans notre ami, il faut lui parler sur les trucs comme ça, mon frère. Non. Tu parles même que l'enfant. Tu penses qu'il y a quel fils d'ailleurs qui est fort de porter l'enfant d'un homme. C'est pas que c'est pour moi, je suis un gars responsable et que moi je peux gérer. Mais comme moi, d'abord mentalement, je suis même pas d'abord prêt à gérer l'enfant maintenant. Bon, du coup, tu vois, depuis un baba et tout et tout et tout, moi je suis pas prêt à être papa. Alfred, tu aurais utilisé un préservatif? Monsieur, mon Steph. C'est ça, mec. Bah, oh, voilà. Donne-moi une 33. Vraiment, et tu. Et dis, Alfred, et si demain l'enfant laisse à moi le taux, tu fais comment? Tu vas voir l'enfant là. Même si l'enfant est salué et tout dans un autre pays, c'est pas un problème. Moi, je lui ai dit que je suis pour moi là. Si elle veut garder l'enfant, tant mieux. J'ai pu gérer ce que j'ai pu gérer. Bah, ouvre-le. Bon, les gars, je pense qu'on a assez bavardé. Hein? Si ce soir nous sommes ensemble, c'est parce que vraiment je veux qu'on fasse un au revoir. Parce que d'ici peu, je serai entre les deux villes. Mmh. Ma peau. Hey, tu fuis la responsabilité de l'enfant. C'est pas possible. Normal. C'est pas un problème de fuir la responsabilité. C'est un problème d'avoir la vision des choses. Moi, j'ai des projets. Après, je vais entrer en première année université. Et moi, je n'aimerais pas entrer vraiment avec la charge, avec la conscience que il y a une fille. Je te pose une question, mon frère. Vas-y, pose. Les trucs qu'on vend dehors là pour se protéger. Tu peux utiliser un préservatif? Qu'est-ce que tu viens de parler maintenant, égal à frère? Je ne peux pas te voir aller d'une voix qui n'est pas bonne. Je te laisse. Tu sais, on se connaît depuis très longtemps. Bon, tout à l'heure, tu as dit que tu sors avec un peu de l'église. Et tu lises le préservatif avec elle, jusqu'à même 30 ans. Hein? La fille de l'église n'est pas enceinte. Non, puisque comme que. La fille de l'église n'est pas enceinte. Ah, ok. Bon, ma passe est arrivée, c'est l'accident. Et comme moi, je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème sans solution. Donc, du coup, moi, j'ai fini avec elle. Avec les gars. Ah, tu sais qu'il y a une autre matin, non? Je vais aller voir la matin par rapport à ça. Pardon, parce que je suis en train de voyager même avec les problèmes. Pardon, seulement, pardon. Buvons la bière et on va se tranquille, s'il vous plaît. Voilà, bien. Vous savez qu'il faut boire. Oui. Écoute, après, je vais te dire un truc. Si je ne suis pas l'ami du pain ou bien l'ami, je ne sais pas quoi. Si je suis avec toi, c'est parce que tu me. Tu me fais vraiment. Je te reconnais plus, après. Tu n'es plus le même Afrique qu'on a grandi ensemble. Ou je devais dire bravo quand ta maman t'appelle souvent. Mais arrête un peu, frère. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu t'assois souvent comme ça? Tu penses à. Je ne sais pas. Avant de commettre un acte. Laisse un peu venir répondre. Ne fais pas aussi comme si tu crois à l'église. Comme non, si tu attends, mais attends, mais il ne faut pas accepter souvent des bêtises. Moi-même, je vais parler, non. Alfred, l'avortement n'est pas un truc bien. Bon, tu me conseilles que l'enfant, ma chère, quand on conseille, on met aussi un peu d'argent. Un peu d'argent. Il faut assumer tes actes, mon ami. Assume tes actes. Je n'ai pas les moyens pour assumer maintenant. Donne-moi là même 100 000 alors. Tu cherches chaque fois dans les fesses de cette fille si tu n'as pas les moyens, Alfred. Ah. En partant là-bas, tu ne sais pas qu'il devait avoir des conséquences. Moi, quoi, y'a aussi. Mais toi, tu es en train de conseiller, tu dis que tu as ta femme à l'église, c'est un chrétien a une copine. Attends, je suis venu te poser un problème pour ma copine. Attends, finalement, toi, c'est nous quoi? Écoute ce que je vais te dire après. Ouais. Quand on enlève la petite d'une fille, ouais, ça veut dire qu'on est capable d'habiller un enfant. Mm-hmm. Est-ce que tu me suis? Mm-hmm. Tu me comprends très bien. Je ne vais pas t'encourager dans le faux. Et d'ailleurs, je ne suis pas tard, tu peux encore aller voir cette fille. Quand tu n'es pas son père, sa mère. Laisse-moi parler. Tu n'es pas son père. Laisse-moi parler, mon ami. Je parle. Parce que, apparemment, c'est comme si toi, tu es qui t'intéresse, c'est ta bière. Tu ne suis même pas de lui. Pourquoi? Laisse-moi. Parce que sinon, maintenant, si cette fille part à voter, comme tu dis. Si elle part à voter, comme tu dis, et qu'il a voté de malheur, je ne souhaite pas. Après, tu ne sais pas où tu veux te trouver actuellement. On serait pu en train de s'asseoir là pour boire des bières ensemble. Moi, je n'ai pas d'argent pour venir voir en prison. Après, garde l'enfant là, il va gérer. Laisse. Tu es mon ami. Ami de Papouti. Tu vas gérer. Ouais. Tu l'aides avec ça. Et tu es responsable. Tu vas gérer. Tu seras toujours là dans sa vie pour tout. L'aider à gérer, c'est tu, n'est-ce pas? Écoute, après, il ne fait pas tard.
Ouais. Tu peux aller voir cette fille pour faire face à cette situation. Mmh. Est-ce que tu me suis? Ouais. D'ailleurs même, je ne peux pas continuer à m'asseoir là, écouter, vous voir parler de n'importe quoi. Surtout avec vraiment toi, tu me déçois. Si tu n'es pas pasteur demain, je vais te rire. Je serai pasteur, ne t'inquiète pas. Laisse ici. D'ailleurs même, c'est même la bière de quoi. Regarde, écoute, Alfred. Je vais aller la voir. Maintenant, pour faire donc les visites prénatales, il faut moins 50 000 femmes. Si tu as 50 000 femmes, c'est combien déjà? Donne-moi ça une fois. Femme, je veux boire, laisse. Va. Tout ce qui t'intéresse, ça va bien. Mais Alfred, écoute ce qu'il vient de dire. Faire à ta soeur ce que son fait à ta soeur, ça va te plaire. Yes. Les soeurs, mais ce que tu fais aux soeurs des gens. J'aimerais que son fils à ta soeur ou bien ta petite soeur ou bien ta mère, c'est pas un truc plus de ta famille. Ça va te plaire. Avant de faire un truc à la fois des gens, il faut te mettre à la place de cette personne. Un chrétien a une copine. Quelqu'un qui croit, tu as une copine. Après. Là, tu viens, tu m'abattes. En tout cas, papa. Buvez, c'est ça qui vous intéresse. Mais tu peux, je t'ai toujours dit que tes amis que tu marches avec, qui lit la Bible là, c'est ton problème. C'est un gars que moi, il est passé, c'est un gars qui est calme. Mais maintenant, il me dit que va assumer vraiment tes trucs, machin, trucs. Je n'ai pas le paix. Même l'argent que j'ai remis à la fille aujourd'hui, c'est l'argent des problèmes. Mais tu sais qu'il veut d'abord aller voir ta matin par rapport. Non. Un pays que ma mère ne connaît même pas qu'un film s'est passé aujourd'hui. Pardon. Parce que je parlais comme ça, tu es mon bon petit. Oui. Et je t'ai toujours dit que. Pourquoi? Quand tu pars avec la fille là, et tu fais chose toi. Comme vous voulez tout. Fais ce que les grands frères ont toujours. Le jour là, on était sous. On était sous, hein. Oui. Assume alors dans tes actes. Si le petit est maintenant Samuel et tout, demande, tu fais comment? Tu vas chercher, non? Tu vas vouloir venir. Comment tu vas venir par le mur, non? Samuel et toi, Samuel et toi, c'est Dieu qui donne. Moi-même, quand mon père m'a couché, il savait que je devais être un procureur. Mais tu vas boire la bière, dis-le. Voilà. Allez. Mais avec des gens que tu fais, la fille là, elle ne peut pas enlever l'enfant là, tout le qu'on a enlevé la peau là ta. Hey! Tellement c'est cher Dieu. Non. On va pas s'en sortir. Mais quand on entre chez Jean Toc quand même, non? Ouais, mamie, ton, je t'ai appelé, tu m'as dit que tu étais là. C'est quoi ça? J'ai failli fuir parce qu'il y a une femme là à côté que je lui dois 2500. Tu ne changes jamais. C'est quelle façon de maquiller chez toi comme ça? Non, 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 je ne suis pas content. Assieds-toi ici, tu pars où? Je suis dépassée pour les problèmes. Donc, c'est moi qui n'ai pas de problème. Si chacun marche ici avec ça, pas de problème. Si je soulève mon ventre ici, tu vas croire que tout l'odeur d'Isaac est dans mon ventre. Mamie, je me pose la question si mon fils était conscient de la situation qu'on traverse. La semaine passée, on l'a arrêté pour avoir enceinté une fille. Cette semaine encore, on l'a encore arrêté pour avoir tapé quelqu'un et blessé pour une autre fille. C'est dépassé. C'est-à-dire que nos enfants d'aujourd'hui, je ne sais pas, les enfants d'aujourd'hui, quand tu parles les accoucher là, et ils naissent avec leur cœur, tu comprends, non? Je ne sais pas si c'est Facebook qui les donne tout ce truc-là dans la tête, quoi. Prends pas. Les enfants font de ces choses aujourd'hui, quand tu regardes comme ça, si tu veux trop parler, ça va te donner la vessie. Comme maintenant, je ne connais pas ma situation. Tu restes parfois comme ça. L'odeur de ta maison est plus forte que tu penses que c'est la maison du voisin qui sent.
Je te dis. Mamiton, la boisson, la vie des débauchés. Hey. C'est eux. Et personne ne veut se battre pour ça. Non, hey. C'est le raccourci. Ils ont un raccourci terrible. Le téléphone, ce que tu vois là, les enfants ne connaissent pas. Le téléphone, ce que tu vois, une autre personne a le téléphone, c'est ça, lui sait. Par moi, comme ça, la personne peut te dire que je touche même 100 000, tu mon téléphone, c'est que j'ai. Mais d'autres sont là, ils utilisent ça aussi n'importe comment. Balance des fausses trucs. Hey, mamiton, tu as la chance. Ton fils Bravo est calme. Je dors sur lui. Soumis, respectueux. Je dors sur lui. Et surtout dévoué pour sa vie. Je dors. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter mon cas là? Non, pas là que tu apprécies là. Parfois ici, là, je porte la culotte. Je dis, tu vas me tuer. Je mets ma main comme ça, quand même, pour Ngano. Ne fais rien. Tu comprends? Je dis, tu vas me tuer. Et tu ne peux pas me dépasser. Tu vas me tuer. C'est pour ça que tu vois, il est soumis comme ça. Il part à l'école. Il est malade. C'est que je veux marcher sur lui. Comme d'ici l'eau. Celui-là m'a déjà dépassé. Oh. Maman, prends ton mal à passer. Les archives, c'est pour ça que l'on de maman. Maman! J'ai dit que je ne peux plus acheter mes achats déjà depuis que là-bas au marché. Jamais. Comme même si depuis que... Le soleil me sert à ça. Je mets ça au soleil quand je travaille. Je mets au soleil. Après, le soir, comme maintenant, je n'ai rien à faire. Tu t'exerces. Oui, directement sur ça. Les arachides sont chers au marché. Jusqu'à... Une boîte d'arachide, 300, maman. C'est riche qui mange l'arachide. Et... Moi, je suis dans le bouillon. La tomate est 200. Mets l'eau. On pousse avec la pâte. Laisse. Ça va déjà dépasser quand même. Comment alors? Et suis moi là. Et suis moi là, la vie me dépasse. Oh, le riz, c'est cher. La banane, cher. La patate, cher. Le plantain, cher. Le macabo. Le macabo que nous on partait au champ à Coston. On retire le macabo comme ça. Le macabo est au marché comme ça, 5. On mange encore le macabo. Donc on veut comme ça nous priver du quoi coco. Le équan. Le macabo malassé, le macabo rouge malassé, avec le ndolé qu'on a aspégé. Que tu manges, surtout quand ça dort. Tu coupes, tu fends le macabo comme ça, tu vois l'huile rouge qui sort au milieu là. Maintenant, là tu Seigneur. Me... Tu pardon. Me fais avoir les remontées pour pas. Je te dis que dans notre champ à Coston, là-bas, tu connais l'homme, non? À Coston, dans notre champ, on retirait le macabo, c'était comme ça. Maintenant, c'est devenu comme ça, je ne comprends plus. Et même quand c'est devenu comme ça, ça devient aussi cher. Ami, ton, je ne pense pour moi du côté là. Je ne pense pour moi de ce côté. J'ai testé ma caboya l'ognum. C'est assorti dans moi. Je ne pense pour moi ma cabo malade. Le plantain, c'est mamie Wata. Le riz, c'est quelque chose. La banane qu'on vendait, on faisait, waouh, 5 doigts à 200. On va vivre. Avec ma partie. Maman, je vais t'expliquer mes problèmes. Quand tu mets le problème de la nourriture par terre, même pas 100 francs pour faire le marché, c'est tout. Toi, jeune fille, tu n'as pas l'argent. Moi, je vais te dire alors quoi. Quand tu travailles, à quelle heure ça va? La femme n'a pas venu ici. La femme là me guette tellement qu'elle sort. Mon père n'est pas sorti. Je vais caler ici. Je vais pas moi te dire, mais c'est ça. Je vais faire ça. Lolo. C'est bravo.
Bravo a fait quoi? Maman, je ne veux pas avorter. Avorter, viens, viens, viens. Viens, viens, viens. Hey. Bravo a fait quoi? Oh, papa était venu. Que le préservatif a fait quoi, mamie? Maman, bravo. Quand il lui demande de porter le préservatif, il refuse. Il me dit qu'il veut me sentir chaude. Comment dis-moi, je ne comprends pas ma fille. Va loin, va droit au but. Et maintenant, je sais, il demande que j'avorte. Ah, Gapina. Dis-moi comment ça s'est passé. C'est que souvent quand on veut. Chaque fois vous voulez faire quoi, dis-moi. Chaque fois qu'on veut. Chaque fois, c'est quoi? Quand on veut faire ça. On veut faire ça quoi? On veut s'amuser. Il refuse de porter le préservatif. Maintenant, je suis enceinte. Il me demande de retirer. Ah. Donc, vous vous amusez, je suis enceinte. Hey. Il m'a même donné l'argent. Il m'a même donné l'enveloppe. Et je ne veux pas avorter, je veux te remettre l'argent. L'argent dans l'enveloppe. Que j'aille voir le médecin. Parce que j'ai dit à Bravo que je ne voyais pas mes règles. Je suis partie avec ma copine. On a fait le test de grossesse, on s'est senti positif. J'ai couru maintenant pour dire bravo et pour lui annoncer ce qui est la bonne nouvelle. Et il m'a chassé, il dit qu'il ne veut pas être papa. Et il t'a donné l'enveloppe. Oui. Quand tu vas voir le médecin. Et suite, laisse ma fille, laisse. Ne pleure plus. Tu pleures quoi maintenant? Il t'a donné l'enveloppe que tu peux avoir le médecin. Pourquoi le médecin enlève? Oui. J'ai dit que je ne veux pas. Et il est parti où? Hey! Seigneur Jésus! Bravo! Bravo! Bravo comme ton nom le dit. Bravo! Et mes parents ne sont pas au courant. Tes parents ne sont pas au courant. Oui. Et tu vas faire comment? Tes parents doivent être au courant. Yeah. Yeah. Ils apprennent, ils vont me crucifier. C'est quoi? Tu as déjà vu qu'on a crucifié qui court. Tu vas rentrer chez vous. Oui, tu rentres. Tu penses que tu devais aller où? Tu vas rentrer chez vous. Tu vas dire à tes parents que tu es enceinte. Tu faisais quoi dans la vie? J'avais laissé l'école. Ah, donc tu vas douer comme ça là? Seulement avec Bravo. Je n'ai pas dit que tu partais avec qui? Donc tu étais qu'à la maison, tu ne faisais rien? Oui, parce que mon père disait que je vais faire la formation pour être esthéticien. Maintenant, c'est la formation pour accoucher que tu as choisi. C'est ça? C'est quand je lui demande de mettre le préservatif, il refuse. Oui, rentre chez tes parents. Je n'ai pas discuté. Tu comprends? Rentre chez tes parents. Rentre, tu vois tes parents. Tu dis à tes parents, ta mère et ton père, que tu es enceinte. Ne pleure pas. Tu pleures quoi? J'ai dit que rentre. Va. Tu dis à tes parents que tu es enceinte. Ils ne vont pas te tuer. Tu as déjà vu où on a crucifié une fille parce qu'elle est enceinte. Hein? Tu comprends? Rentre. Lève-toi, ma chérie. Lève-toi. Vas-y, la barrière ouverte. Maman, il ne peut pas partir seul. Et je peux t'accompagner.
Rentre. Vas-y. Vas-y, vas-y. Une vieille fille comme toi là, tu dis que tu as assez. Tu as dit que le préservatif est monté et descendu. Tes parents, ils vont que te crucifier. Vas-y. Regardez-moi comment elle est vieille là-bas. Elle ne fait rien. Donc tu étais même chômeuse. Chouaille. Donc, bravo. A pris l'enveloppe ici. Il est allé donner à sa copine d'aller voir un médecin pour que le médecin l'aide à retirer l'enfant. Jésus, Marie-Joseph. J'ai fait quoi? Bravo. Bravo, je vais t'écraser de quelle façon? Je vais te cuire dans quelle marmite? Bravo, je vais te mettre où? Bravo, tu montes, tu descends, tu vas me trouver dans la maison aussi. Je veux te faire quelque chose dans la maison, c'est pas vous. Je t'attends ici. L'argent que je suis allée à la réunion. Je suis partie voir la salle. J'ai dit à papa Bako que papa fait tout pour tout. Tu me fais, on me prend 300 000. Je sors 200, je donne à l'enfant. Je vais me battre avec l'autre, c'est en attendant pour compléter la deuxième tranche. Bravo, à tout ça, aller donner ça à sa copine d'aller voir le médecin. Bravo. Non, tu ne me portes pas dans ton pantalon. C'est moi qui dois te porter dans ma jupe. Non, j'étais à Bafon, quand je rentrais, je ne me suis même pas arrêtée. Mais j'ai vu les gens devant la porte à l'eau. Même Zassine a été malade, mais ça va mieux. On est ici à Douala ensemble. Puis son pied là, comme elle avait fait l'accident. Mais ça va. Diego, elle nous a fait peur. Attends, on t'appelle. Ok, on t'appelle. Hey, ma fille, c'est quoi? Il y a quoi? C'est ce que je viens. Tu viens ici? Tu viens faire quoi ici? Mes parents m'ont chassé, non. On voit le celui qui m'a enceinte. Tu as enceinte? Hey! Qui t'a enceinte? Bravo! Bravo, t'as enceinte! Ama! Oh lolo! Bravo! Bravo, ça vous fait fort dans le quartier! Yes! Mamie, vous étiez où? Derrière là-bas. Il t'avait amené derrière là-bas. Oh, je ris l'eau, ma mère, le Seigneur Jésus. Je ris l'eau, ma mère. Et tes parents t'ont chassé? Dedans. On parle dedans, hein? On va aller dehors. C'est quoi aussi? Bravo, va devenir Tani. Bravo, va devenir Tani. On t'a aussi chassé. Oui, comme tu avais dit là. Mes parents ont demandé que je parte. Que je viens retrouver Bravo. Voilà ta co-épouse. Hein. Voilà ta co-épouse. Oui, vous êtes enceinte.
Bravo a fait fort. J'attends Bravo ici là. Si Bravo ne me tue pas, je vais tuer Bravo. Bravo va devenir ta sans vouloir. On part dedans. Et je porte ton sac. Choukassi. Panneau. Hé, porte le sac là. Ça veut dire que Bravo me trompe. Entra comme ça. Viens, on part. J'attends Bravo ici. Viens, on vite, entre, on part de là. Entre là-bas. Maman, j'attends Bravo ici.